contre, du coup, pour les sacs Maison Diana, vous avez les petites lanières qui vont avec. Donc, si vous souhaitez les porter genre à la main comme ça, vous pouvez. Vous voyez, les finitions, quand même, pour le prix, elles sont de qualité. Celui-ci qui est très joli, donc là, il y a la petite fermeture en gold. Et vous avez un petit foulard qui est déjà mis sur le sac. Et du coup, je vous montre donc la petite lanière, elle est la même couleur que le sac. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une grosse journée. Putain, je recommence, j'ai pas de voix. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une grosse journée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une grosse journée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une... Il m'a dit que j'ai... Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis que je suis gênante? Soit tu m'aimes comme je suis, soit tu m'aimes pas, hein. Voilà. Tout ça pour dire que Milan est à l'école depuis ce matin, 7h45. On va aller le récupérer. Donc là, il est 11h30. On va le récupérer aux alentours de 15h. Et on doit préparer les valises parce que là, ça va pas du tout. Celle de Milan, pas prête. La mienne, pas prête. Même pas ouverte. Thomas, pareil. Donc voilà, en sachant qu'on part quand même demain matin, hyper tôt, à 4h du matin. Et rien n'est prêt. Et si je les stresse pas, si je leur dis pas 4 fois de faire leur valise... Enfin, pas Milan, parce que c'est moi qui lui fais ma vie. Mais c'est cet asticot là-bas, là. Vous voyez cet asticot là-bas? Ce petit asticot qui me sert de mari. Eh ben lui, jamais, en 10 ans, il a fait sa valise. Jamais, jamais, jamais. Ah ouais? Mais t'as de l'énergie au mauvais moment de la journée, je comprends pas. Comment histoire? Comment? Détends-toi. Moi je suis hyper détendue, chérie. Mais je viens de me réveiller, tu me cries dessus. Déjà, d'entrée, boum. C'est pas tranquille. Mais je vais pas t'embêter, mon cœur. Prépare ma valise, s'il te plaît. Sérieux, t'es vexée? Hein? Quoi? Me saoule pas, putain. Mais je veux pas te saouler. Je veux juste que tu fasses ta valise. Il m'a dit que je devais partir de chez moi parce que j'étais complètement folle. Bon, je reprends. Parce que là, quand je suis comme ça, ça veut dire que j'ai une énergie de fou. Et ça peut partir en live. Donc je me calme. Et après, je vous raconte ma vie, ok? À toutes. Je suis partie au mall, donc je voulais prendre la voiture, mais Thomas, il veut pas. Voilà, il m'a dit non, 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 tu prends pas la voiture toute seule, etc. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit pour les autres. Je dis comment ça? Il me dit j'ai envie que tu tues personne. Donc, je n'ai pas pris la voiture. De toute façon, il cache la clé. J'ai pris le Uber. Et là, je vais au mall pour récupérer les cadeaux de ma grand-mère, puisque je vais commander un cadeau. Quelque chose de très rare qu'elle adore. Donc, je vais mettre le cadeau dans ma valise. Et puis, j'ai pas acheté tous mes cadeaux. Je pense que les cadeaux des autres personnes, je vais les acheter à Paris, parce qu'il y a plein de choses qu'il n'y a pas forcément ici, ou alors que je trouve pas. Donc, je vais aller à Paris. Et je reste 2 jours à Paris. Je dois signer un contrat très important. Et surtout, je dois faire des achats de Noël, voilà, pour nos proches. Et après, direction. Donc, du coup, direction le mall. Ensuite, je vais commencer les valises. Je vais commencer par celle de mon fils, c'est la plus importante. Comme ça, s'il manque des choses, je peux vite aller les acheter. Mais normalement, j'ai tout bien acheté, vraiment les couches, le lait, les biberons, les tétines.
J'ai tout pris, des chaussettes parce qu'il va faire froid, je lui ai pris plein de vestes, des pantalons, des petits pulls, des gilets. Donc voilà, normalement il manque rien du tout. Et j'allais dire j'ai oublié ses caleçons, mais il ne met pas encore de caleçons. Et du coup voilà, donc je commence par celle de mon fils, ensuite je vais faire la mienne déjà. Et on verra Thomas s'il a commencé la sienne ou pas. Je suis sûre qu'il va la faire ce soir à minuit, entre deux matchs de FIFA, et qu'à 4h il va pas dormir et on va partir direct à l'avion. Voilà. Tandis que moi je vais bien me reposer parce que dans l'avion c'est un autre délire. Un vol avec un enfant c'est compliqué. Bon, notre fils il est quand même habitué, il voyage depuis son premier mois. Il est venu à Dubaï, genre il avait un mois et donc il a l'habitude des... Allez, je fais le premier pas. Je sors les valises. Allez, regarde. Je les ai sorties. Les valises sont officiellement sorties. Je l'ai enfin convaincu de commencer sa valise. Je vais voir d'ailleurs si c'est pas foutu de ma gueule. Parce que... C'est bon, il est en train de faire sa valise. C'est bon. Parfait. J'y vais. À toutes. Non, mais j'avais l'impression que tu la faisais pas en fait. Oui, à toutes. Je t'aime aussi. How are you? Thank you. Allez, c'est parti. Vous allez rigoler, vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai fait des petits cadeaux. Je vous montrerai à tous mes concierges et tout. Hi. À tous mes concierges, à tous les gens qui travaillent dans ma résidence et qui tous les jours nous aident pour monter des courses, ouvrir la porte. Enfin, voilà, donc c'est des gens du service, mais sans eux, la vie elle serait pas aussi facile. Donc voilà, je leur ai pris des petits cadeaux à chacun. Je comprends pas parce que quand je fais ça, on dirait que j'ai un double menton. Bon, je vais chercher mon fils, je suis contente, il m'a manqué. Quand il est à la crèche, je tourne en rond chez moi. J'entends pas sa petite voix et tout, là je suis pas bien, ça fait un gros manque, hein. Un gros vide. Heureusement que c'est que 3 fois par semaine. Ça se passe très bien, donc je vais en profiter pour discuter un petit peu avec les personnes qui travaillent là-bas pour voir si tout est ok. Et puis voir, comme on peut pas rentrer dans la crèche, ça me rend dingue. J'arrive jamais à regarder quand je le dépose, je le dépose devant la porte quoi. Donc je peux pas rentrer, je peux même pas voir où il joue. Et la seule chose que je peux avoir c'est des petites vidéos. Donc c'est déjà pas mal, mais bon, c'est quand même mon petit bébé dans le monde. Donc voilà. Trouver l'homme de ma vie que j'aime le plus fort. Je t'aime. Je t'ai manqué un petit peu, un tout petit peu. Je t'ai manqué ma raison de vivre, mon bonheur. C'est ça le bonheur? Moi, c'est ça le bonheur. Qui c'est? Qui c'est ça là-bas? Qui c'est ça le beau, mon didou? Qui c'est ça? Tu m'aimes mon cœur? Que tu es beau, mon bébé. Allez, on va prendre la poussette et on est parti, papa. Raconte, c'était cool? Tu t'es bien amusé? Mon amour, t'as passé un bon moment avec les copains? J'ai vu, tu t'es fait un super copain. Ouais, je l'ai vu, il est trop gentil. Comment il s'appelle? Andrew? C'est Andrew? Il est tout mignon, hein? Bon, ça avance un peu. Voilà, monsieur, il a presque fini aussi. Ce qui se passe en général quand je cherche un truc et que je trouve pas, bah, je finis par tout mettre dans le lavabo. Voilà. Du coup, j'ai pris les highlighters, j'ai pris le Golden Flick et le Bronzen Flick, celui-ci. J'ai pris la palette Beige Nude, donc celle-ci avec toutes les teintes nude. J'ai pris la Gold Planet parce qu'il y a le noir du coup à l'intérieur. Je me dis au cas où si j'ai envie de me faire un smoky. Celle-ci, en fait, vous avez le Perfect Black qui est vraiment un noir mais très intense, qui va permettre d'intensifier, donc si vous voulez faire des traits de liner un petit peu fumé pour avoir un joli regard et intensifier au niveau des yeux, vous pouvez aussi faire un petit trait. Et si vous souhaitez simplement faire un smoky, vous allez voir, il est très opaque, il est super facile à travailler. Vous
voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ils sont très très pigmentés, les fards. Et du coup, celui-là, il est bien parce qu'il y a beaucoup de teintes de fête. Genre la Sunlight, elle est tellement belle. Vous mettez ça dans le eye corner, ça donne tout de suite un... Ça agrandit les yeux, en fait. Vous voyez, celle-là, elle est magnifique. Donc là, il y a toutes les teintes pour les fêtes. Vous avez la Sand, vous avez la Wild, la Blitz, qui est hyper jolie. C'est un cuivré. Je vous montre bien la lumière. Donc là, vous avez toutes les teintes. Je sais que la journée, j'aime bien mélanger la Wild et la Woody. Celle-ci, elle est hyper naturelle. Parfois, je mets que celle-là. On dirait même pas que je suis maquillée et ça fait une trop belle paupière. Vous avez la Brownie. Donc ça, c'est un marron. Un marron bien chocolat. Et la Crush. Celle-ci, c'est un genre de framboise un peu foncé. Genre un Bordeaux. Après, en fard à joues, donc je vais prendre un de chaque. Le pinky, donc le rose, et je vais prendre un peachy couleur pêche. Aux cheveux, si vous souhaitez un produit qui fonctionne et que j'ai testé pendant plus d'un an, je vous conseille Lâcher les Beauty. Donc ce qui est bien, c'est que c'est sous forme de petits gummies comme ceci, donc c'est des petits bonbons. Il y a beaucoup beaucoup de marques qui font ça et je trouve ça génial parce que du coup on n'a pas l'impression d'avaler un médicament. Et surtout, même si on n'a pas d'eau, on a ça dans le sac, on les prend, c'est facile. Voilà, il n'y a pas d'excuses. Et vous allez voir, le fait que ce soit des petits bonbons, je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je les oublie jamais. Du coup, donc c'est fabriqué en France, sans gluten, sans test sur les animaux et sans colorant artificiel. Dedans, vous avez toutes sortes de vitamines, donc je vous mettrai la petite liste. À quoi ça sert? Donc ça sert à faire pousser les cheveux plus rapidement, à avoir une chevelure en bonne santé, donc healthy. Ça va aussi réduire la... Prenez simplement deux petits bonbons par jour. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez les prendre quand vous voulez. Dans la journée, donc le matin, le soir, avant manger, au petit-déj, après manger, peu importe. Arrête de l'appeler Jeannot. Jeannot lapin. On va vérifier la valise du bébé. Je vais vérifier la valise. J'y vais ou pas? Si je vois que t'as pas fait ta valise, toi, ça va barder. Des petites abeilles. Tu les vois? Petites abeilles. Oui, elles volent. Elles volent, les abeilles. Ok. Je lui ai fait un jus de pomme, mais pressé. Du coup, j'ai mis dans le biberon, il adore. C'est des pommes bio, elles sont trop bonnes. Tu te régales, hein? T'aimes bien, hein, les petits jus, hein? Les petits jus de maman. Ça, c'est quoi alors? Bee? It's a bee? Ok. One. Et on fait pas le bruit comme ça. Qui c'est qui t'a pris ça? One, two, three. Say. One, two, three. Pour les personnes qui me demandent comment on a fait pour Pita. Donc on l'a mis dans le même endroit où on l'avait mis la dernière fois. C'est un hôtel en fait pour les chiens où elle a sa chambre. C'est vraiment un endroit incroyable. Et elle est super bien là-bas, il y a d'autres chiens. Elle a des grands espaces verts. Hé, mon chat, qu'est-ce qu'il y a? Elle a sa propre chambre. Tu veux la boule? Où est-ce qu'elle est la boule? Tell mommy what did you need. I give you everything. Your baby? It's your baby, this one? Oh, joli bébé ça. J'ai dit Milan, non, là c'est pas cool, c'est pas, c'est la déco de maman, j'ai dit qu'on touchait pas.
Oh là là. Je te promets que je vais m'énerver. Et oh 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 oh. Viens voir maman. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu fais avec ton vêtement? Ça c'est ton cadeau, c'est tonton qui a acheté. Oui, c'est tonton qui a acheté et tata. C'est pour Noël. Bah, c'est pas encore Noël mon cœur. Mais oui, c'est ton cadeau. Oh oh. Attends, je t'aide à l'ouvrir. On va l'ouvrir maintenant, ça t'évitera de le transporter, d'accord? Ça t'arrange bien. Hein. Allez. Tiens, ouvre ton petit cadeau. Yes, you can open. Don't worry. Yeah. Oh my God. Say thank you, tata. Thank you, tonton. Oh. Ah bah, il préfère la boîte, lui. D'accord. Ah, c'est trop joli. Waouh. Trop beau. Alors ça, c'est génial. C'est de l'eau florale de rose. J'utilise tous les matins et tous les soirs après m'être démaquillée. Ça rafraîchit la peau, la sensation, c'est hyper agréable. Ça va réhydrater. C'est tonifiant aussi. Et si vous avez de l'eczéma, de l'acné, des boutons, ça va désinfecter. Et du coup, ça va réduire tout ce qui est boutons et points noirs. Ça fait vraiment une belle peau, donc ça redonne de l'éclat. Donc c'est comme ceci. La marque, c'est Lively Bodies. J'ai pris une box chez eux, donc je vous montrerai les petits produits. Ça fait 2-3 semaines que je teste un petit peu. Et puis en plus, j'aime bien le packaging et le fait que ce soit un système de pompe, c'est hyper pratique. Le ricin va permettre d'accélérer la pousse des cheveux. Donc en fait, vous faites des petites séparations. Vous en mettez directement sur le crâne. C'est vachement bien pour les sourcils, pour les cils. C'est aussi anti-acné. Anti-cernes, donc vous pouvez en mettre sur vos cernes, vous tapotez un petit peu, vous massez de l'intérieur vers l'extérieur et ça marche super bien. C'est très agréable sur la peau et surtout ça n'agresse pas les cheveux, donc il n'y a aucun souci. Riche en vitamine E, donc ça va booster la peau du visage. Vous pouvez aussi en mettre sur le visage le soir avant de dormir. Et le matin, vous allez voir votre peau, elle va être nourrie, toute lisse. Enfin, ça fait beaucoup de bien. Il y a énormément de vertus, donc ça vient d'Inde. Ça marche très bien contre les maux de ventre. Donc si vous avez mal au ventre, vous massez un petit peu avec des mouvements circulaires sur le ventre et ça va tout de suite vous apaiser. Donc voilà, il y a énormément de vertus. N'hésitez pas à regarder sur internet, mais l'huile de ricin, enfin, c'est vraiment un essentiel beauté qu'on utilise pour tout en fait. Je vous montre la petite box. Voilà, je l'avais reçue comme ceci. Bon, après j'en ai pris plein, hein, donc j'en ai pris aussi pour offrir et tout ça. Donc j'ai plein de produits de la gamme. Et... la peau qui est un peu sensible, j'ai pas forcément envie de la nettoyer avec de la mousse nettoyante, de l'eau et tout ça. Donc je vais utiliser uniquement de l'eau florale, notamment le matin quand j'ai la peau sans naturel. Donc après, j'avais pris une petite box et on a aussi l'huile de ricin. Donc ça, c'est vraiment un essentiel beauté. C'est l'huile végétale. Donc c'est un produit qui a préparé toutes les affaires. Donc j'ai fait la valise de mon fils. J'ai tout vérifié 10 fois pour être sûre de rien oublier. Du coup ma valise elle est pesée, enfin j'ai pesé toutes les valises pour être sûr qu'on dépasse pas non plus, celle de Thomas aussi elle est fermée. J'ai fait le sac de voyage du coup pour notre fils, pour qu'il soit bien, j'ai préparé des petites choses aussi à manger, je vous montrerai, j'ai tout mis dans des Tupperware et tout, avec le baby cooker, donc j'ai fait quelques petites purées, un petit peu de poulet, des légumes, vapeur et tout ça, comme ça il a ses bons petits repas dans l'avion. Ces petites couettes, enfin bref, j'ai tout fait. Donc là, je vais pas tarder à aller me coucher, comme j'ai pas beaucoup dormi. Un seul truc que j'angoisse un petit peu, je l'ai pas dit à Thomas, c'est que je trouve plus le passeport de notre fils. Donc je sais qu'il est dans la maison, hein, vous inquiétez pas, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc j'ai mon passeport, Thomas il a le sien, et celui de notre fils, je sais pas où il est. Parce que du coup, je ne l'ai pas revu depuis notre voyage à Miami. Et personne ne sait où il est. Et je n'ai pas demandé à Thomas, parce qu'après, il va péter un câble. Il va devenir fou. Donc voilà, je ne vais pas me stresser. Je n'ai pas envie d'angoisser. Je vais continuer de chercher dans tous mes sacs. Je pense qu'il doit être dans un tiroir ou dans les papiers.
J'essaie de me rappeler depuis tout à l'heure pourquoi j'aurais pu en avoir besoin, mais je sais pas. Donc voilà, c'est le seul truc qui manque. Je dis le seul truc, mais c'est le truc le plus important du voyage.